du grand couloir blanc, ébloui par les pâles lumières. La première porte que je prends, c'est un autre hémisphère. Que dois-je dire, que dois-je penser à l'attendre, ce verdict, le châtiment de ma vie qui a basculé en ce jour de printemps. Les jours s'égrènent, les questions s'amoncellent. Je suis seul face à moi-même, vacillante étincelle. Un jour va mieux, un jour fait mal. Un jour heureux, une heure normale. Prisonnier d'un tourbillon, la vague me roule jusqu'au rocher. Pantin, je suis sans condition. Il y a des heures où je ne lutte plus. Plus le goût, plus d'envie. Je suis nu. Il me tarde de pouvoir redanser, à nouveau rentrer dans la transe de mon être. Quitter l'horizon sombre et profond, sentir ces quelques lueurs de soleil qui ruissellent entre les parois de mon âme, et que je puisse à nouveau me réchauffer auprès d'elle. Je veux revoir ces visages qui animaient mes journées avant cet instant. L'instant où l'équilibre s'est perdu dans la nuit noire, et que je pensais que plus rien ne serait comme avant. Que rien ne pourrait être rattrapé, quand tout semblait si loin de moi. Mais là, je sens que ça arrive, que ça revient. Que le ciel se dégage peu à peu, que le plus dur est derrière tout ce chemin. Je sens le corps qui reprend du rythme, le moral de l'envie. Je sens que l'étincelle va bientôt se rallumer, et que cette période n'appartiendra plus qu'au passé. Ça m'aura forgé malgré tout, et je serai bien plus fort à présent d'ailleurs. Je me battrai parce que j'aurai toujours la soif de découvrir ce qui se cachera demain. J'aurai appris à prendre du recul et de croire en cet espoir même dans l'impossible.